Ah, c'est rigolo. Salut à tous. C'est rigolo parce qu'en fait, quand j'active mon truc pour enregistrer des vidéos, ben ça se voit direct que j'ai pas un bon PC parce que ça rame un peu. Je vous présente un petit logiciel sympathique, très rigolo. C'est un logiciel très marrant. C'est une sorte de loi en fait qui vient vous casser les pieds. Mais bon, c'est un jeu, hein, c'est une sorte de jouet. Enfin. C'est vous qui décidez en fait ce qu'elle fait. Ce que je vais vous montrer après. On va la laisser un peu faire. Alors c'est normal que ça rame un peu parce que j'ai un PC de merde. Donc du coup c'est un peu au ralenti. Regardez par exemple ici, elle avance. Normalement elle va beaucoup plus vite. Mais bon, vu que moi j'ai pas un bon PC, bah, du coup elle est un peu plus lente à cause de ça. Mais quand je filme pas, elle va à une vitesse normale. Mais c'est du coup là, elle lag un peu la pauvre. En fait si je ferme le truc, elle va rouspéter et elle va vouloir attraper mon curseur et du coup ben là elle m'a piqué mon curseur cette petite coquine. Elle le rend au bout d'un moment hein, parce qu'en fait vous pouvez vous-même en fait décider. Déjà vous pouvez lui dire à plus, voilà, vous voyez ça fait slash kill et hop ça la stoppe, donc c'est pas un virus hein. Vous voyez là elle n'est plus là du tout, il n'y a plus de soucis, elle pose pas problème, c'est pas un virus du tout du tout. C'est juste une sorte de mode sur io. Donc ça c'est pour close bat, c'est pour l'éteindre. Et goose desktop, celui-là c'est pour l'activer. Là vous avez la config. Donc par exemple, si vous voulez pas, donc si vous avez mis des modes, vous pouvez mettre truc pour les modes, mais moi j'en ai pas mis, j'en mettrai peut-être plus tard, on verra. Voilà, si vous voulez qu'il n'attaque plus votre souris, vous mettez ça en false. Et du coup elle ne fera plus rien à votre souris. On peut tester. On va mettre ça en false. On va voir si ça marche. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que normalement, elle va plus du tout attaquer la souris quand elle va amener un truc. On va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. Donc du coup, ici, elle ne fera plus rien normalement à la souris. Donc, elle est inoffensive à 100% à ce moment-là. Enfin, de base, elle est inoffensive. Mais je sais pas, si vous voulez jouer à un jeu et que vous voulez cette petite... une petite compagnie parce que vous vous ennuyez ou quoi, ben voilà, vous en avez une. Vous avez une petite gouze. Oui, j'ai beaucoup de bordel sur mon PC, je sais. Donc elle est partie où là? Ah, vous voyez, ça a chargé pendant quelques secondes parce que j'ai un PC que ça a chargé les trucs. L'asset qui va apparaître, enfin l'image. Voilà, donc là, bien sûr, c'est j'ai tout remplacé, hein, j'ai tout remplacé, donc il n'y a plus d'image de loi, c'est les pubs furignons, de trucs pour les dialogues, et des icônes rigolos trop marrants. Voilà, et donc du coup, si je ferme ça, bah, elle s'en bat les steaks. Elle n'attaquera pas la souris, parce qu'elle s'en fout en fait. Elle ne fera plus rien. C'est pour ça que je vous montre qu'il n'y a aucun souci. Vous pouvez l'installer sans problème. C'est pas un malware. C'est pas un virus. Puisque pour l'arrêter, c'est ici. C'est là. Regardez, on recommence. Hop. Voilà, ça fait ça. C'est normal. Ça slash kill. Et voilà. Et c'est fini. Elle n'est plus là. Elle ne viendra pas par la suite. Parce que c'est à vous de l'activer. C'est à vous de décider. Moi, je vais remettre la config de. Alors, vous pouvez même la mettre en silence. Donc, faire qu'elle ne fait plus aucun bruit. Je vous dis, vous pouvez aussi décider de changer la couleur. Vous pouvez. Vous voyez, vous avez changé le bec. Ça, je sais pas qu'est-ce que c'est, mais bon, voilà. Le temps de seconde au moment où elle fait les trucs. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Moi, je laisse tout par défaut parce que j'ai la flemme. Et du coup, moi, comme j'aime bien parce que ça me fait trop rire quand elle attaque ma souris, ben moi, je laisse. Je lui laisse le droit de m'attaquer. Enfin, d'attaquer ma souris. Du coup, elle continuera. À chaque fois que je fermerai le truc, elle attaquera ma souris parce que je trouve ça trop rigolo. Après, c'est vrai que bah, selon les trucs. Vous voyez ici, vous avez tous les sounds, musique. Voilà, vous avez ici la musique en général. Là, vous avez les modes. S'il y a des modes, si vous êtes modeur, ben. Vous pouvez mettre des modes. Là, vous avez les textes. D'ailleurs, je dois faire un truc en passant parce que j'ai remarqué qu'elle ne faisait qu'on compte que ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Hop.
Voilà. Enregistrer, peut-être que c'est mieux comme ça. Et là, vous pouvez ajouter des textes. Vous voyez, elle peut faire apparaître ça aussi, d'autres trucs. Ça sert à rien, mes textes, mais voilà. Si je veux faire apparaître d'autres textes, je fais nouveau texte. Je cherche après. Voilà. Et, j'appelle ça... J'ai faim. Donne-moi à manger. Voilà, je sais pas, j'en sais rien. Oh oui, t'enregistres. Bon, bien sûr, on va modifier le nom du document parce que là, c'est un peu moche. Voilà. Manger. Voilà. Voilà, et du coup, elle fera apparaître ce message-là aussi. Celui-là, on va quand même essayer encore peut-être le raccourcir. Celui-là, on va retirer ça. Ce serveur, pour être sûr que tout apparaît correctement, vraiment. Parce que tu peux pas mettre 10 000 trucs, en fait. Donc, du coup, comme ça, on est sûr que ça apparaît correctement. Si vous voulez faire d'autres tests de texte, eh ben, je sais pas, moi... S'ennuie. Voilà. What? S'ennuie. J'ai pas d'idée, hein. Nuit. S'ennuie. Bon, il y a des fautes, on s'en bat les couilles. Hein. Je m'ennuie. Tu fais quoi de beau? Voilà, tu vois, vous voyez, en fait, moi, en fait, je la transforme complètement en animal sympathique. Du fait de, justement, que moi, je pourrais retirer le truc. Qu'elle attrape la souris parce que du coup moi elle est gentille la mienne donc c'est ce que je peux faire hein. Du coup ben ce qui se passe c'est que si on la remet donc comme j'ai dit je c'est parce que ça m'amuse moi de mettre le truc mais peut-être que je vais retirer temporairement pour faire imaginer que voilà si je veux vraiment qu'elle soit gentille à fond non pas ça ben je me dis ok ben là on va remettre en false voilà. On enregistre le changement. Et du coup ici ce qui va se passer c'est que je vais la réactiver. Voilà, elle est là. Elle est sympa. Et moi je regarde mes vidéos tranquillement. Voilà. Disgusting news. Quand on parle de fake reviews, c'est-à-dire de faux avis, cela devient encore plus compliqué, car un avis personnel n'a pas vocation à être objectif, conforme à ce qu'il vise, ni à être sourcé. Par exemple, un internaute évaluant un objet peut tout à fait surcoter ou sous-coter ce dernier, sans qu'on puisse pour autant le qualifier de fake. La pauvre, elle est vraiment très lente. Hein. Ah, attention, ou bot a planté. J'ai pas vu ça. Alors mon bot c'est mon bot de Discord hein, pour ceux qui savent pas. Voilà, du coup elle s'amuse à faire apparaître des trucs. Et il a du mal à se connecter là, mon bot. Ça rame sur mon PC. Il faut le laisser de temps. Me fait rire. C'est ça quand t'as un PC de merde et que tu filmes. Voilà, connexion fait avec succès. Je sais pas pourquoi il a planté mon bot, je comprends pas non plus. On va vérifier sur Discord. Ah bah laisse, ça... on va supprimer après. Je vous montrerai après, vous voyez que si je supprime, elle dit rien. Elle s'en fout. Elle m'amène tout ce que je veux, elle ne... En bref, elle fait que tenir compagnie en fait comme les anciens Shinobi ou je sais pas quoi sur... Je m'en souviens à l'époque de Windows XP, on avait des sortes de Shinobi qu'on pouvait prendre là. Bon, elle, on sait pas la prendre par contre. C'est un peu dommage, mais on sait pas la prendre. Ah, te voilà toi, petit coquinou. Hein, hein, espèce de ouhou. Hein, hein, hein. Dégage. Donc voilà, ici, vous avez... J'avais déjà fait une vidéo en fait, mais le problème c'est que... Il y avait un souci de cadrage en fait. On voyait pas tout. J'ai dû réinitialiser pour du coup... régler le souci.
une goose qui se promène sur mon bureau. Ah, regardez, elle m'a même l'image rigolote. Elle est lente, hein. C'est à cause de mon PC qui est. C'est le processeur du coup qui a du mal et du coup. Voilà, je m'ennuie, tu fais quoi de beau? Voilà, je peux très bien fermer, me dire rien, elle s'en fout. Du coup, ça devient une loi inoffensive juste là pour te tenir compagnie et ça, j'adore. Attendez, on va attendre qu'elle va un peu plus vite, mais c'est lent, c'est un peu lent. Ah, elle va un peu plus vite là. Donc c'est normal si le son bug un peu, hein. N'oubliez pas que j'ai un PC pas très beau. Enfin, c'est vraiment le préciser bien. Normalement elle va beaucoup plus vite que ça, hein, mais c'est juste que vu que c'est un Core i3 8 Go de RAM seulement, j'ai pas de carte graphique. Ben elle a un peu de mal C'est un peu comme un jeu en fait, entre guillemets, c'est une sorte de fond ou quoi, donc du coup ça peut ramer. Voilà, là en fait elle est en train de saloper mon écran, c'est magnifique. Ici j'attends un peu qu'elle nous amène un truc et après ça on va terminer sur ça et voilà. Moi je vais vous quitter, je vous laisse et je vais rester avec ma loi qui me tient compagnie parce que je me sens seul. C'est un peu pour ça aussi que je l'ai pris parce qu'elle est trop rigolote et quand tu te sens seul, bah, c'est pratique d'avoir une petite chose qui se promène. J'aimais bien l'idée des shinobi qui se promenaient sur ton écran, ça te tenait compagnie, quoi, c'est psychologique. Après quand j'ai commencé à faire des trucs et tout ça et que je la kill, si j'ai vraiment pas besoin d'un animal qui me... Enfin voilà, mais en bref voilà quoi. On va pas attendre. Ah, ça y est. Qu'est-ce qu'elle nous amène? Du texte, d'accord. J'aurais préféré qu'elle nous amène... Ah, elle a faim. Donne-moi à manger. Elle est gentille, elle est sociable, c'est un bon toutou, comme on dit, bon c'est une loi, mais voilà. Elle est rigolote. C'est aussi ça qui est rigolo, c'est qu'elle est vraiment très marrante. Elle va où? Hop. Ah, elle va nous salir notre écran. Voilà, en bref, c'est rigolo. Ça tient compagnie quand tu te sens seul et quand tu t'emmerdes. J'attends vivement Animal Crossing New Horizon. Sincèrement, c'est le truc que j'attends le plus là. Donc cette petite loi va me tenir compagnie pendant que j'attends le jeu, même plus longtemps même, hein, parce que sincèrement ce genre de petit logiciel rigolo qui a des petites bêtes qui se promènent sur ton PC, j'aime bien. Bon, pour ça doit être mignon, hein, sinon ça m'intéresse pas. Celle-là, elle est très mignonne, donc du coup, je l'aime bien. Elle est rigolo. Dis pas qu'elle est pas tout choupi, quand même. Bon, comme ça, vous êtes au courant, hein. En fait, j'attends qu'elle fasse apparaître encore une image. Ça y est, enfin. Et en plus, c'est la meilleure. C'est génial. C'est la meilleure number one. C'est la celle de où joli choixpeau. Mais c'est magnifique tout ça. On va pouvoir terminer sur ça du coup. C'est notre cher Woubot
qui passe en entreprise. Dune. Espèce de dune gentille. Merci Miss. Eh ben celle-là je la garde, je l'aime bien. Voilà, je la mets bien au centre. Donc ben je vais vous dire à bientôt. Et comme vous avez compris, c'est pas du tout un malware ou un virus. Non, c'est pas un virus ni un malware, c'est juste un logiciel fun, comme un shinobi. Que certains youtubeurs essayent de faire passer pour un virus, alors que c'en est pas un. Donc voilà, je vous dis à bientôt, j'espère portez-vous bien, que tout va bien à cause de l'histoire du Covid-19. Que tout va bien. Et voilà, un peu plus. Je pense que je vous ai déjà montré où sont les endroits où on doit mettre les images et tout ça. Oui, je vous ai montré puisque je vous ai montré les textes et tout ça, donc c'est fait. Mais je pense pas que je vous ai vraiment montré l'endroit où il y a les images par contre. Ben, je vais vous montrer ça avant de partir et là et après je coupe. Donc les images c'est pareil, hein, c'est dans Asset, Images. Alors vous avez hauteur, mais ça j'ai supprimé parce que c'était un tout avec le mec pour les donuts et tout ça, mais ça m'intéresse pas moi parce que je... Voilà. Mais il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, c'est toutes les images qu'elle peut faire apparaître. Pas plus. Et donc, comme vous avez compris, il y a maintenant un gif de Gab. Donc, c'est ça qui est stylé. Et du coup, vous pouvez vraiment vous-même décider ce que vous... Ouais, vous voyez, vous pouvez pas prendre ton parapluie. Vous pouvez vous-même décider ce que vous voulez. Si vous voulez qu'elle soit inoffensive ou pas sympa. Bon, en tout cas, voilà. Ce qu'on peut tester avant de partir, c'est de voir que si on la ferme, est-ce que cette image-là va partir avec? Attention. Donc si on ferme l'application, est-ce que c'est bien lié au truc? Attention, close back. Ouais, voilà, c'est bien lié à tout le mode du système. Et voilà, c'est, et du coup, ouais, bah, elle est plus là.